Master Kenway! Master Kenway! Oui, que puis-je faire pour vous? Charles Lee, sir. Ravi de faire votre connaissance. On m'a chargé de vous montrer la ville, de vous aider à vous installer. C'est inutile, sir. J'ai pris soin de faire livrer vos bagages à l'auberge. Serais-tu le fils de John et d'Isabella? Oui, c'est bien moi. Tu es affecté auprès d'Edward Braddock, n'est-ce pas? Oui, mais il n'est pas encore en Amérique. Et je me suis dit que... Eh bien, jusqu'à son arrivée, j'ai pensé que... Allez, allez, parle. Pardonnez-moi, monsieur. J'espérais pouvoir étudier auprès de vous. Si je dois servir l'ordre, je n'imagine pas meilleur encore. Oh, misère! Tu es bien gentil, mais je crains que tu ne me surestimes. J'en doute, monsieur. Voleur! Par ici. Arrêtez-le! Boston est une ville assez animée. Il y a toutes sortes de choses à voir et à faire. Une fois installé, je vous invite à en parcourir les rues. Qui sait, des opportunités se présenteront peut-être. Attends un instant, je dois faire des achats avant de poursuivre. Je vais en profiter pour aller chercher nos chevaux. Ville finira par me tuer. Vous semblez soucieux, mon ami. C'est parce que je le suis. Grandement, en fait. Que s'est-il passé? J'ai été détroussé par des crapules. Et même si j'ai réussi à récupérer mon bien, il est en miettes. Vous parlez de ce livre? Ce n'est pas un simple livre, mais un almanach. Mon tout premier. Benjamin Franklin, ravi de vous rencontrer. Etam Kenway. Vous venez d'arriver à Boston. Comment le savez-vous? Vous témoignez encore d'une certaine vertu. Vous arrêtez ainsi pour aider un vieux rustre. Pardonnez ma franchise, mais vous semblez vif et alerte. Si vous trouvez les pages manquantes, je vous récompenserai. Écoutez, je ne sais pas si... Je n'ai rien, mon bon. Si vous avez le temps, parfait. Sinon, j'en ferai mon deuil. De toute manière, je ne peux rien en tirer dans cet état. Mais si vous parvenez à le reconstituer, vous me trouverez dans cette boutique, là-bas. Bon. Une rencontre intéressante. Aliments, sel et autres marchandises en gros sont disponibles chez Robson. Place aux affaires! Nous allons au Green Dragon, une taverne. Les propriétaires sont excentriques, mais discrets. Et leurs chambres sont grandes. A-t-on appris la raison de ma présence à Boston? Non. Master Burke m'a dit que vous me communiquerez ce que je dois savoir. Il m'a envoyé une liste de noms avec pour consigne de vous aider à les trouver. Les recherches ont-elles porté leurs fruits? Oui. William Johnson nous attend au Green Dragon. Que sais-tu à son sujet? Fort peu. Mais en voyant la marque de l'ordre, il n'a pas hésité à me suivre. Prouve ta loyauté à notre cause, et je te dévoilerai nos plans. Rien ne me ferait plus plaisir, monsieur. Ah.
fois, je vais faire comme si c'était un accident.